La route est longue pour l'agent belge, et l'hiver est rude. Après s'être abrité dans les ruines d'un monastère trappiste, il continua sa route vers le fleuve. Malgré les pièges parsemés sur son chemin, la neige compacte ralentissait sa progression et masquait la route. Avec aucun bistrot à l'horizon, il se décida à partir à la chasse pour tenir le coup. Il cherchait des indices sans succès, en attendant un signe d'autres agents du roi. Bonjour. Bonjour. On n'a pas toutes les frites ? Dans le même paquet ? Ben voilà ! Vous êtes un agent du roi ? Agent du roi, à votre service, Peter Van de Bat, service spécial flamand. Oh, enchanté. Je suis l'agent Baudouin des services spéciaux wallons. Ah, ouais, Baudouin, enfin ! Oui, c'est moi. Je suis très heureux de vous rencontrer, enfin. Bon, merci. Vous savez, votre réputation vous précède. Hein ? Oh, c'est vrai. À vous, vous faites un fort grand honneur. Ah, non, non. Moi. Ah, mais je vous en prie. Allez, alors, comment vous avez fait pour arriver ici? Ah, la route était difficile, mais pour pouvoir survivre, j'ai pris la William. Bonne sauce belge, ça, y a toujours, ça donne de la force. Ah là, je vous crois, ouais, c'est vrai. Donc, Mais où sommes-nous? Alors là, le Danube bleu. Ah, c'est ce fleuve que j'ai suivi. Ouh, ça a l'air dangereux ici. Oui, on n'a pas trop le temps. Mais vous avez retrouvé le passeur? Non, pas moi, mais il doit être échoué pas loin d'ici. Oui, j'ai suivi le fleuve, dans votre logique, il ne doit pas être loin. Mais vous connaissez quelqu'un? Vous savez comment le trouver exactement? Oui, justement, ouais, je connais quelqu'un qui saura nous aider. Ok, d'accord. Bon, bah, ça a vraiment l'air dangereux ici. Oui, on n'a pas la journée, allons-y. Allons-y. Yeah. Allez, bonjour. Bonjour, enchanté, agent Baudouin. Je suis pour la voyage. D'accord, enchanté. Vous êtes un agent, lui aussi. Ah, vous êtes un agent du roi? Oui. Mais de quel roi? De moi-même. Vous êtes un agent belge? Je suis un agent de Belgique. Mais il est un peu wallon, mais ça va. Et avez-vous une idée de où pourrait se trouver notre passeur? Il a dû suivre le Danube bleu. Il a dû échouer sur une île pas loin d'ici. Bien sûr. Et d'après vous, vers quel endroit ça pourrait être? Je pense savoir. Il y a deux îles. Une au nord, une au sud. Il y a fort chance qu'ils sont là-bas. Deux îles. Je vais aller à l'île au nord et vous à l'île du sud. Ok. Je pense que c'est mieux. Par contre, comment va-t-on rester en contact? Ah oui, pas de problème, j'ai prévu ça. La dernière invention de la technologie flamande. Bon, ok, belge. Bon. Allez, vous saurez vous en servir? Bon, ça devrait aller, c'est très technologique, mais... Ah oui, justement, il y a un petit antenne. C'est quoi ce bazar? Ah, c'est dur. Non. Allez, c'est quoi ce bazar? Ah. Ah, voilà. Oh, une antenne. Ah. Et avec ça, je sais capter RTBF? Ah, parfaitement. Ouais. Et c'est un truc de dingue. On a dû être suivi, je pense. Merci pour tes informations. Nous allons partir à la recherche. De rien. Donc je pars au nord. Ah, moi aussi. Au sud. Bon bah, allons-y alors. On se tient au courant avec le GSM. Ah, voilà. Allez. Bon. À tantôt peut-être. Oui, à tantôt. Nous verrons cela. Quelque part sur les rives du Danube.
Oh, il a aucun humour, ce gardien de l'île. Oh, t'es qui, toi? Je suis passeur. Hier soir, j'étais un jour pour Richard. Un match de merde, gros. De merde, un temps pourri. On s'est fait niquer encore. Nul, le match. Nul. Et voilà, je me retrouve là avec toi, ici. Qu'est-ce qu'on fout, là? Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on fout, ici? Moi, tu sais ce que je fais, là? Il fut un temps où j'étais passeur sur une île mystérieuse. Et donc, du coup, un jour, j'ai passé deux personnes pour aller voir le gardien de l'île. Et là, le problème, c'est que sur leur retour, j'ai dévoilé le secret du gardien. J'avais raconté que ce gardien avait été violé quand il était plus jeune. Et je sais pas ce qui s'est passé, je me retrouve ici. Le passeur, c'est quoi ce trou? Eh ben, je sais pas. J'atterris comme ça et j'ai du mal à me lever, en fait. Pauvre de toi. Je sais pas ce qui s'est passé, ouais. Ah, c'était dur, hein. Dur, tu l'as senti? Ah, c'est dur, ça fait mal. Peter, vous avez su les trouver? Oui, je pense que je les ai retrouvés. J'arrive tout de suite et vois le pétrole. Comme ça? Non, comme ça. Comme ça? Comme ça. C'est pas comme ça plutôt? Comme ça. Peut-être comme ça. Je sais pas. Ouais. Ouais. Bonjour. Qu'est-ce que vous foutez ici? Et vous? Vous êtes qui? Moi, je suis personne. Ah, mais non. Vous êtes bien le passeur, non? Ouais, c'est bien moi. Ah. Et comment vous savez? Je vous ai observé avec ma longue vue ici. Ouais. Et vous êtes, vous m'avez dit? Comment? Vous êtes qui, vous m'avez dit? Je suis un agent, disons. Un agent du roi. Un roi fort important. Ah, le roi Bifla. Non, c'est pas ce le roi, non. Mais quelqu'un arrive qui va vous tout expliquer. D'accord. Mais en attendant, il était grand comme ça. Ouais, comme ça. Comme Et ça? Comme ça. Mais non, c'est comme ça plutôt. Non, comme ça. Ou comme ça. Ouais, mais faites-vous parler de quoi? C'est quoi juste? C'est ma barque sur le Frioul. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il y en a plusieurs. Apparemment, la série est un peu plus. Allez. Ah bon? Ah, il arrive. Bonjour, messieurs. Ça faisait longtemps. Oh. Ça faisait longtemps d'ici. Je vous ai amené quelques vêtements. J'ai le plaisir de voir le passeur. Ah, il y a un autre passeur aussi. Vous avez du noisetier avec vous? Je vais récupérer du noisetier sur la génial. Route. Génial. Car cette douceur est incomparable. C'est doux comme. C'est doux comme quoi déjà? C'est doux comme de la peau de vie. C'est vrai. Alors, je vous ai amené les vêtements, pas que vous ayez froid. Un peu de rouge? Non merci, je préfère mieux les couleurs de mon pays. D'accord, je comprends. Bon, ce n'est pas grave. Alors. Ceci va peut-être vous rappeler quelque chose. Mon chapeau. Oui. Je l'avais perdu sur l'île. Quel beau chapeau. Un petit manteau pour pas avoir froid. C'est pas le mien. Ah. Et ben voilà. C'est ma tuyote. Un pantalon pour que vous ayez l'air un petit peu mon pantalon. Plus élégant. C'est pas trop tôt. Et puis voilà. Et bien attends, on va se lever. Hein. Tu connais le dos d'Ampa? Le dos d'Ampa? Ouais. C'est quoi? Vous vous rappelez? Ah bien sûr. Ah. Dodompa. Allez-y, essayez, vous verrez, c'est facile. Ah, ça n'a pas très bien marché, faudra m'expliquer. Hein. Encore un tour de magie pour montrer son pet, hein. Ah voilà. Eh bien, vous voilà équipé. Attention, une bête sauvage. Vous voyez, ce fleuve, c'est le Danube bleu. Je préfère l'étang. C'est un peu différent, c'est un peu plus grand. Ça vaut pas Marseille quand même. Je vous propose que on aille un peu plus loin, on retourne vers la ville, et puis on va voir comment on va s'organiser.
D'accord ? D'accord, d'accord. Eh bien, allons-y. Thank you.